me, that is all I need. Yeah, so I'm still at your heart tonight. Take my hand and stand by my side. Salut à tous, donc Team FPV 35 pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va interviewer. Comment déjà votre prénom? Moi c'est Philippe. Moi c'est Philippe, donc ouais. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté aussi. Vous faites du parapente? Ah non. ULM, pardon. Ouais, du paramoteur en fait. Paramoteur. Oui. Et qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça consiste? Alors le paramoteur, c'est un ULM. Mm-hmm. Donc c'est un engin volant ultra léger, motorisé. D'accord. Mm-hmm. Donc la voile, c'est une voile de parapente. Mais on a un moteur en plus qui nous permet de décoller d'un terrain aussi plat que le parking, par exemple. Pour quand on veut le démonter pour le mettre dans une voiture, parce que ça tient dans le coffre d'une voiture, bah, il faut 5 minutes. Donc attention. Ah oui, il y a beaucoup de trucs. Donc voilà, alors pourquoi il y a beaucoup de trucs? Parce que c'est une école, hein. Donc ouais. Il en faut. Voilà. Donc ça, c'est un paramoteur qui est monté. Avec ce modèle-là, on peut faire voler quelqu'un qui pèse entre 75 et 110 kg. Ouais, quand même, ça ne présente pas. Et c'est en carbone, ça? Ouais, ça c'est du carbone, l'hélice aussi. Donc c'est du solide. Ouais, ouais, c'est. Donc, ça, c'est le modèle qu'on porte sur le dos. Mais on peut avoir le même modèle sur un petit chariot. Mm-hmm. Voilà. Et par exemple, quand on fait du biplace, quand on emmène des gens, des passagers, mm-hmm. des baptêmes, en fait, c'est avec un chariot. C'est-à-dire que le passager est assis, tranquille, il n'a rien à faire. Pour moi, c'est impressionnant. Non. C'est la première fois que j'en vois en vrai, en fait. Oui, mais bon. C'est pareil, moi, c'est la première fois que je vois un caméraman. Ça m'impressionne. Hein, faut voir comment je suis impressionné. Donc le paramoteur, en fait, on peut en piloter un dès l'âge de 15 ans. À 15 ans, on peut être breveté, on peut être pilote, totalement autonome. Et ça se dirige comment? En fait, il y a une poignée de gaz, là, qui permet de contrôler la puissance du moteur. C'est de l'accélérateur. Hein. Oui, pour la direction. Et après, donc sur la voile, c'est un parapente. Donc on a une poignée dans chaque main. Quand on tire à droite, ça va à droite. Quand on tire à gauche, ça va... À gauche. Ouais, bien le caméra. Wow. Alors, je vais annoncer quelque chose d'extraordinaire pour ceux qui ne le savent pas, mais celui qui fait les vols en biplace, c'est un de mes élèves qui s'appelle Christophe. Que j'ai breveté et après il s'est beaucoup perfectionné et tout ça, et Christophe est champion de France en biplace. Oui. Donc voilà. Si vous venez voler à Moulins, c'est pas n'importe qui avec qui vous allez voler, vous volerez avec un champion de France. Voilà. Moi ça m'intéresserait de tester. Eh ben il faut tester, il faut tester. Donc voilà, le paramoteur, c'est l'engin volant le plus sûr au monde. Mmh. Pour une raison très simple, c'est que même si le moteur s'arrête, par exemple, bah, en fait, il faut bien comprendre que ce qu'on a au-dessus de la tête, en fait, c'est un parapente. Mmh. Et un parapente, à l'origine, c'est fait pour voler sans motorisation. C'est-à-dire que le moteur, il va juste nous servir à maintenir le vol plus longtemps. Mmh. Bah, si le moteur s'arrête, bah, on descend et puis on pose comme en parapente, en fait. Aussi simplement ça. Bien, merci beaucoup à vous tous, c'était vraiment super sympa de m'avoir invité. Et puis je vous souhaite une très longue vie à votre chaîne et je vous souhaite beaucoup de plaisir et beaucoup de passion à tous. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup.